Si notre dernier album était très produit, avec beaucoup de couches sonores et d'infimes nuances, celui-ci est produit bien sûr, mais s'il y a un son vraiment important, c'est le son que vous allez entendre. Et il n'est pas constitué cette fois d'une multitude de sons abstraits, non, c'est plutôt direct. Je dirais que musicalement, c'est plus proche de, peut-être, quelque part entre le son de Violator, d'un point de vue électronique, et de Songs of Faith and Devotion, dans son influence blues gospel. Mon espoir, c'est que les choses changent. Et certainement dans le pays où je vis, aux États-Unis, ça doit changer. Je croise les doigts parce que je suis beaucoup plus intéressé de voir ce qui se passera au cours des 4 prochaines années, si nous gardons le président Obama, que si nous avons le gouverneur Mitt Romney. Je ne veux pas cela pour mes enfants. Peut-être que ce n'était pas l'endroit idéal pour elles d'exprimer leurs sentiments, mais qui peut le dire? En tout cas, elles n'auraient certainement pas dû être mises en prison pour cela.